en France qui s'appelle AGDA, Agir pour le changement, la démocratie en Algérie. C'est un collectif qui a mis du temps à sortir son cri. Il a mis beaucoup de temps de gestation, mais il fonctionne. Et donc on est très content de vous accueillir. Vous savez, j'étais comme vous pour introduire ce débat-là. Je marchais beaucoup. Je marchais et pour trouver les mots parce que je n'arrivais pas. Moi, j'ai pas trouvé le lieu, je suis désolé. Et donc, j'essayais de trouver quelque chose, une petite introduction pour laisser donc, les amis vous poser les questions. Avec quand même une chanson à votre différence. C'est que vous écoutez beaucoup le rail, Chabé et tout. Moi, c'est une chanson qui m'est revenue de Fadila Al-Jazeria, Blanj. Et surtout cette phrase, Nijit Nsoli, Tlift Soir. Et donc, je reviens de cette, excuse-moi, de cette débandade pour faire un texte d'introduction. Voilà. Bon. Alors, ça va être très court, ça va être après je vous poserai quelques questions. Voilà, et donc comme je suis, vous avez écrit votre premier livre, moi aussi c'est mon première fois que je présente un livre comme ça dans une discussion littéraire. Hein, mais j'ai fait des comparaisons même avec la grande maison. Ça change les terrasses dans le sol. Exactement. Donc moi quand je l'ai lu, j'avais l'impression d'avoir une espèce d'énigme. Et moi je trouve que effectivement c'est un livre énigmatique qui prend la forme d'un monologue dont, me semble-t-il, l'originalité consiste à écrire une sorte de quête parallèle. Celle d'Alger, bien sûr, et celle du moi, du jeu du narrateur, qui n'est pas exactement Samir Thomy, mais qui est presque Samir Thomy. Ce narrateur est un personnage, au même titre que sa ville dont il va nous parler, et qui est l'objet de sa passion. La distinction de ces deux personnages, le narrateur et la ville, et de leurs quêtes respectives, est déjà dans le titre du livre, Alger, le cri. Mais c'est Alger, virgule, le cri, c'est pas Alger, le cri. Donc la virgule est déterminante. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a une qualité de rythme due à la ponctuation qui est absolument remarquable. C'est le chef correcteur des encyclopédies Bordas, l'ex-chef, qui vous dit, mais vraiment c'est quelque chose de... Et la qualité du livre lui-même, mais on reviendra sur la fabrication du livre par l'imprimerie Mauguin et une édition Barzac si on a un peu de temps. Et donc, l'impression qu'on a en lisant le livre est que la ville est une sorte de pieuvre qui englue et paralyse. En même temps, un lieu incontournable qu'on ne peut pas quitter, dont on ne peut se détacher. Le narrateur a beau tenter quelques escapades, quelques fuites dans le là-bas, le mot les qui revient très souvent, à Oran, à Bojmenneil, dans la grande maison ancestrale familiale, et surtout à Tunis. Tunis tant aimé, mais d'un amour différent, particulier, qui est différent d'âge. D'ailleurs, on pourrait parler du parallèle Tunis et Alger. Mais rien n'y fait. Malgré ses escapades, indéfiniment, le narrateur revient à sa ville, à son lieu d'attache, pour le reparcourir sans cesse, le marcher encore et encore, pour tenter, on va dire, de faire crier ce lieu, sa ville. Il y a un passage qui est très... Ainsi, j'écris comme je traverse ma ville, laborieusement, montant et descendant, toujours au bord de l'épuisement, sans autre aide que soi. Une écriture algéroise, aride, violente, certainement. Une écriture au bord du cri, car je suis l'enfant qui n'a pas crié, l'enfant qui a grandi dans la ville qui ne crie pas. Je suis l'adulte qui écrit sans pouvoir crier. Crier contre qui? Contre quoi? Pour qui? Et pourquoi? Inlassablement, l'adulte seul cherche ce qui le fera crier. Il descendra quotidiennement dans la clairière pour explorer la forêt des mots qui l'entourent, trouver enfin la source du cri
et briser indéfiniment cet aller-retour infernal. Et donc, c'est ça, qu'est-ce que c'est ce cri? C'est quoi? Évidemment, c'est celui du narrateur qui n'a pas crié à sa naissance, et donc un cri à retrouver, à inventer. C'est la recherche d'une écriture, c'est-à-dire des mots qui viendraient d'une profondeur originelle, d'une faille intime. Le mot faille revient souvent. La faille, le séisme, Alger, c'est prédisposé, Zinzla. C'est là. Et c'est donc une certaine conception de l'écriture à laquelle on a affaire dans ce livre. Une expérience littéraire, oui, c'est ça, c'est une expérience littéraire, qui refuse évidemment d'être descriptive ou exotique, mais qui vise à accéder aux profondeurs inconscientes. Il y a des passages dans le livre qui sont descriptifs, enfin, qui utilisent, dans un premier temps, le mot descriptif, notamment du haut des terrasses, parce que, comme le dernier film de Mozart à l'Ouest qui parle des terrasses, c'est de là où on voit les choses, pas seulement une vue, une carte postale, mais c'est de là où on voit les choses, où on décrit, il y a une beauté, et tout d'un coup, il y a un fantôme qui vient hanter cette beauté, qui tourne et qui devient un objet énigmatique, dont on ne sait pas très bien qu'il faut redescendre de la terrasse, marcher comme sa mère, descendre du haut. Le haut, c'est où d'Alger tu habites, vous habitez? Ça dépend à quelle période du livre. Mais en tous les cas, on se descendait pour aller vers le pont. Boulevard, Télémy. Oui. D'accord. Et donc, la configuration. Les réécritures multiples se sont faites un peu plus haut. Un peu plus haut. D'un étage plus. D'accord. Mais en tous les cas, c'est la marche, hein, c'est clair. Et donc, c'est donc une certaine conception, mais c'est aussi, donc la conception de l'auteur, mais c'est aussi le cri nécessaire à une ville paralysée, à laquelle on ne peut échapper. Une ville serpent, dit le narrateur, qui vous enserre. Une ville qui ne parle pas, mais qu'il faut faire parler, et lui trouver les mots. Alger est prise dans un silence fait de tous les cris avortés, ceux de la guerre de libération, de l'indépendance, du soulèvement d'octobre 88, où vous aviez alors, si j'ai bien fait le calcul, 20 ans. Exact. Voilà. En quelques mots. 20 ans, parfois, comme on dit, c'est pas le plus bel âge de la vie, mais voilà. De la révolte en Kabylie, et surtout les émeutes à travers tout le pays de l'année 2010, bien avant le soulèvement qui est parti de Sidi Bouzid. Pendant. Ah. D'accord, pendant, même un petit peu avant aussi. Oui. Il y a des séries de oui, quotidiennes et répétées et qui viennent de très loin, qui justement ne se sont jamais cristallisées dans un cri collectif. Et là, je voudrais lire juste une page concernant ce silence fait de tous les cris avortés. Et c'est la page 113. Les pages sont. Avec le temps, le silence est devenu mon culte. Mon culte, d'ailleurs, le mot possessif, on ne sait pas très bien si c'est le narrateur ou Alger. À un moment donné, il y a un entrelacement qui fait que vous parlez de la ville et la ville parle de vous. Il y a des séries comme ça, c'est parallèle, mais. Et ce mot, justement, pronom possessif, on ne sait pas très bien si c'est vous ou le narrateur, qu'importe. Avec le temps, le silence est devenu mon culte. Il dessine les contours de ma cage. Mon cri se heurte à ses barreaux. Fidélité à la sentence maternelle. Tu n'es pas obligé de tout dire, de tout me dire. Ou à cette célèbre citation attribuée à Parajarot, élue sur le t-shirt de cet adolescent en casquette. Alors parle et meurs. Ainsi la parole engendre la faim et la mort devient la rançon du cri. Ma ville est silencieuse. Elle tue ceux qui dénoncent. J'ai grandi à l'écoute des récits valeureux des moujahidés, torturés, puis tués pour avoir osé crier. J'ai vécu avec les fins tragiques de ces Algériens qui ont préféré la mort au silence. En Algérie, le cri engendre la mort. Le cri est partout. Les montagnes de Kabylie crient, les Babors crient, le désert crie, les villes d'Algérie crient, le peuple crie.
L'indifférence et le mépris des élites répondent à ces cris qui explosent de toutes parts. Crie et meurs dans ta cage. Dans le silence et le mépris. Il y a des passages comme ça. C'est... Et donc, le mouvement du livre, c'est le dernier chapitre où justement il est intitulé « Le cri ». Alors là, c'est l'explosion en Tunisie, hein, avec le soulèvement que l'on sait, et qui réveille les cris et toutes les jeunesses algériennes révoltées, celles d'octobre 88, celles des émeutes, sans cesse répétées, et aussi celles du narrateur, qui crie. À ce moment-là, il y a un changement, un petit peu un changement de registre, et là, c'est une autre page que je... Bon, il y en a plusieurs, mais bon, beaucoup de gens n'ont pas lu le livre. Hein, mais je vous invite, je dirai un mot sur le rythme et la ponctuation, je l'ai esquissé tout à l'heure, mais c'est vraiment une grosse découverte pour moi. La faille s'est réveillée, la terre gronde, le silence annonce le cri imminent. L'eau coule de la montagne blessée, le filet d'eau finira par former la crue de l'Oued. La haine tombera alors comme le fruit pourri des vergers. L'enfant, aux grands yeux, étreindra le jeune militaire pour le désarmer. La carcasse du sanglier mort finira par retourner à la terre. Les barrières du souvenir finiront par tomber. Plus de checkpoint, plus de barrières. Le cri les aura dévastés. L'enfant seul retournera au fond de la clairière et assis en tailleur, il versera ses premières larmes. L'adulte seul retournera à l'odeur de la terre, au pied de la montagne blessé. Et là, au milieu des oliviers sauvages, il poussera son cri, qui porté par les vents, chevauchera le dos du serpent et glissera le long des rues tortueuses de la ville. Le cri sera happé par les escaliers d'Alger comme un appel vers l'espoir. Il survolera la baie, rejoindra l'entre-deux pour souffler sur les ruines de Carthage. Et dans la brise chargée des odeurs du musc, le cri dansera avec les éoliennes de Houeria. À l'issue du voyage, le cri rejoindra enfin le silence dans un dernier soupir. Ça, il y a des passages comme ça. Moi, j'ai fait cette présentation, et je voudrais vous faire part de mon impression. C'est l'impression de force dans ce livre-là. La force du récit qui se déploie comme une sorte, j'ai osé une comparaison, comme une sorte de chorégraphie. Vraiment. Et l'usage, d'ailleurs, votre livre, non seulement ça, les mots dansent et tout, mais il s'entend, le livre, parce que vous vous entrecoupez par une espèce de... des collages où il y a des chants qu'on reconnaît, des chansons, et il y a une musique. Et il y a surtout, me semble-t-il, une espèce de forme de danse et de l'écriture est une danse chez vous. C'est plus qu'une marche, c'est une danse. Et donc, j'essaie de, effectivement, en creux, c'est aussi un combat. Un combat qui s'oppose à une genre de l'historiographie officielle, guindée, étouffante, avec sa chronologie édifiante et mortifère. Donc un livre fort où le jeu du narrateur s'affronte à cet englument de l'historiographie où l'individu, le singulier, est englouti. Nous avons affaire dans ce livre à une véritable dynamique historique, vivante, qui s'invente, qui a sa propre temporalité contre une certaine histoire figée qui obstrue l'écrit. Donc c'est un livre de quête, mais c'est là où je voudrais finir cette comparaison, aussi un livre d'attente. Je veux dire, franchement, je termine de lire... Et puis, j'avais juste à côté la grande maison. Et c'est les contextes différents. Eux, pour rompre le temps présent de l'injonction coloniale de l'époque, lui, et d'une certaine façon, Mouloud Mahmoud aussi, de la colonne oubliée, pour s'opposer à ça, ils organisent leur récit en revenant au temps ancestral, le temps d'avant. La grande maison, c'est circulaire. Comme vous, dans votre monument. Bon, évidemment, c'est pas... Mais j'ai trouvé que les deux avaient cette... Mouloud Mahmoud, et
il y a une convergence là-dessus, et il y a aussi chez eux l'attente. L'attente de novembre 54. C'est clair que c'est quelque chose qui va jaillir, qui va... Voilà, je finirai avec cette comparaison chorégraphique et littéraire. Je rajouterai juste un mot sur le rythme. Il faudrait lire le livre. Et là, ce que je n'ai pas fait, mais je me promets de le refaire, parce que j'ai été haché par les activités militantes, et j'ai lu par bout. Mais c'est un livre qui vous prend vraiment dans le rythme, et cette ponctuation absolument sublime. C'est l'œil du correcteur, mais c'est aussi... Donc, moi, je vais entamer quelques questions, mais je dirai à la salle. Moi, je voudrais juste poser une question, mais j'en ai d'autres, hein. C'est votre exergue. C'est l'exergue qui m'a... c'est de Marguerite Duras, La maladie de la mort. Je peux le lire? Elle ouvre les yeux, elle dit, quel bonheur. Vous mettez sa main sur sa bouche pour qu'elle se taise. Vous lui dites qu'on ne dit pas ces choses-là. Elle ferme les yeux, elle dit qu'elle ne le dira plus. Elle demande si eux en parlent. Vous dites que non. Elle demande de quoi il parle. Vous dites qu'il parle de tout le reste. Qu'il parle de tout, sauf de cela. Elle rit, elle se rendort. J'aimerais bien, si c'est pas trop... cet exergue, c'est ma première question. Pour deux raisons. D'abord, je pense que c'est une phrase, c'est un texte qui... Je pense qu'il doit parler à tous les Algériens. Elle parle de tout sauf de cela, le bonheur. C'est compliqué tout ça chez nous. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ce rapport un peu, j'allais dire, un peu décomplexé au bonheur, à la joie. On a toujours l'impression de le voler quelque part. C'est presque... Voilà, on a un rapport à, j'allais dire, à la décontraction un peu complexe. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, ça fait référence à un texte de Marguerite Duras qui s'appelle « La maladie de la mort ». Et dans « La maladie de la mort », ce que j'ai dit, dans « Alger le cri », il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de trame narrative réellement. Et donc, il y a cette ville dont on ne sait plus si c'est une ville, si c'est une maîtresse, si c'est une amante, si c'est une mère exigeante, si c'est une marâtre, si c'est une dominatrice ou un dominateur, d'ailleurs, je dis « is », mais des fois, c'est... Voilà. Et dans « La maladie de la mort », c'est un texte extraordinaire, parce qu'on le lit d'une traite, et c'est un texte qui est complètement désincarné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien. Et donc on se dit, mais de bout en bout, on se dit, mais de qui parle-t-elle? Qui est qui? Où est-ce qu'on est? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lit et une chambre. Et à travers ça, Duras est capable de tenir un lecteur de bout en bout et de provoquer son imaginaire. Donc c'était les deux raisons. Et puis c'est vrai que cette expression, on parle de tout sauf de ça, on met la main sur la bouche, on dit tais-toi. Bon, ça c'est des choses... c'est des choses qui me parlent, et à mon avis, qui ne parlent pas qu'à moi. On a un apprentissage de la parole, qui est pour ça que ça s'appelle Alger le cri, qui n'est pas simple. Oui. Voilà. Alors je dis bon, je vais dire je suis à peu près persuadé, vu l'accueil du livre aussi, que cette difficulté de la parole, c'est quelque chose que je partage avec beaucoup de monde, apparemment. Oui, c'est le... de la femme dont on ne parle pas. Tout simplement de choses qui nous font du bien. Durable. Voilà, aussi simplement que ça, c'est des choses qui... parler de soi, compliqué. Parler de choses qui nous font du bien, compliqué. On a toujours l'impression que le bonheur est un peu un rapt. Voilà. Et ça, c'est... Voilà, et puis moi, c'est cette complexité du rapport au bonheur qui m'a parlé. Justement, c'est la deuxième question qui se fait. C'est un peu long. Non, pas du tout. Non. Je laisserai juste comme ça. Comment écrit-on et comment
c'est ce mélange d'attachement, c'est-à-dire attachement passionnel, fort, on sent que la grâce, la beauté de cette passion-là est presque émergée, et puis il y a cet engluement qui revient sans cesse comme un poids. Comment cette dialectique entre l'engluement et l'attachement positif, l'attachement que moi je trouve que ce qui parcourt le livre. Parce que j'ai toujours eu un rapport compliqué à Alger. C'est une ville qui provoque chez moi, et pour avoir échangé avec beaucoup de monde, des moments de grâce extrêmement forts et des moments de rejet extrêmement violents. Et c'est en ce sens que cette ville peut être extrêmement prenante, comme elle peut être extrêmement usante. Je vais un peu plus loin, parce que la vraie question, c'est de dire, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est notre histoire, est-ce que c'est moi, est-ce que, voilà, donc tout ça, ce télescope se perd. Mais c'est vrai que, alors au départ, le fil conducteur, c'était, j'ai écrit ce texte en avril 2010. J'ai commencé à écrire ce texte, voilà, ça m'est venu, j'ai utilisé une expression pas très polie, mais voilà, ça m'est venu comme ça, et j'ai écrit. J'ai arrêté d'écrire le 14 janvier 2011, le jour de la destitution de Ben Ali. Après, bon, il y a eu 3 ans et demi d'aller-retour entre l'éditeur, moi, les réécritures, les points, les virgules, etc. Et je pense que, à cette époque, je faisais l'aller-retour entre Alger et Tunis. Et effectivement, la complexité de cette envie je devais sentir qu'il y avait quelque chose qui se construisait, qui se tramait, il y avait des mouvements de fond qui se mettaient en place probablement dans la société, que j'ai eu envie de relater. Et puis après, c'est l'histoire qui m'a rattrapé, puisque l'idée, c'est qu'après, on se retrouve en décembre 2010. Boazizi, ce cri que je cherche moi devient un cri qui concerne une société, une région, ce qu'on a appelé plus tard le printemps arabe, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que le printemps arabe? C'est une vraie question à se poser. Moi, je suis persuadé que c'est tout simplement une société qui, ce sont des sociétés qui s'exhibent, enfin, qui occupent l'espace public, qui hurlent, qui crient, qui vivent, qui ne sont plus enfermées dans des cartes postales ou dans des clichés, mais qui explosent dans leur diversité et leur complexité. À partir de là, c'était une sensation. Donc finalement, Alger m'a tenu la main. C'est-à-dire qu'en commençant à écrire, la première des choses qui m'est venue, ça a été d'écrire ce que je ressentais par rapport au lieu où j'étais, qui était Alger, qui est le lieu où je vis, où je travaille, où j'existe au quotidien. C'était pas voulu. D'ailleurs, j'ai pas décidé d'écrire un livre sur mon rapport à Alger. C'est venu un peu dans cette quête, comme vous dites. Il y a une troisième question, puis je vais laisser parce que j'avais une quatrième d'écriture et la faille, ça, vous venez d'en parler. C'est, il y a quand même une période dont vous aviez 20 ans, en octobre 88. On connaît la suite. Et la tragédie qui s'en est suivie. On ne pouvait pas deviner à l'époque. Et donc, je trouve quand même que le poids, disons, du non-dit, hein, des événements, des lieux qui effectivement sont devenus indicibles pour des raisons multiples. J'ai l'impression que c'est vous, à votre corps défendant, c'est la matière lourde que vous essayez de faire parler à votre façon. Parce que jusqu'à l'instant, on n'a pas fait de travail réel. Et j'ai l'impression que là, vous ouvrez, en plus de vous faire connaître les problèmes, de vous faire partager cette ville et votre jeu, c'est que vous attaquez, vous affrontez à quelque chose, une brèche, vous ouvrez une brèche sur cette période-là, et vous essayez, à votre façon évidemment, de donner des mots. Je parle sous couvert de cette main. Mais je pense qu'il y a une vraie littérature, aujourd'hui il y a beaucoup de textes et d'écrits qui parlent des événements d'octobre et de la décennie noire, etc. Il y a,
Il y a beaucoup d'auteurs qui sont plus jeunes que moi et mon âge qui s'essayent à essayer de relater ça, que ce soit. Le décor est souvent la décennie noire. Il y a des récits là-dessus. Non, tu n'es pas d'accord? Pas tant que ça, mais. Il y en a. Voilà. Moi, c'est encore une fois, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que je pense qu'on a tous été impactés par cette horreur, chacun à son niveau, chacun suivant son âge. Et donc, moi, très souvent, aujourd'hui, je rencontre des gens qui ont 20 ans. On peut parler de diaspora. Je discutais avec une jeune fille qui avait 14 ans, qui est partie, qui est rentrée, que les parents m'ont emmenée à 14 ans parce qu'ils voulaient la protéger, donc elle a changé de pays. Donc tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre par cette période. Donc moi, forcément, dans cette espèce de quête où je cherche, forcément, il y a des lieux évocateurs, il y a des moments évocateurs. Et donc, forcément, on revient au moment premier, ce moment où tout a basculé, qui est octobre, qui est ce 5 octobre 88. Moi, je me rappelle, à l'époque, on ne pouvait pas imaginer une seconde ce qui allait se passer. On entendait grève générale, grève générale, grève générale. Et effectivement, je me rappellerai toujours cette sensation de verre brisé que je retrouve au palais du gouvernement, palais du gouvernement en décembre 2007. C'est ce bruit de verre brisé qui me fait revenir en octobre 88, parce qu'en octobre 88, étudiant, un copain me dit, viens, on descend rue Didouche, voir ce qui se passe. Et l'après-midi, je me retrouve à marcher rue Didouche. Et au milieu de la rue, pour une fois, parce qu'il n'y a plus de voiture, il n'y avait plus rien, et j'entends le crissement du verre. Voilà, c'est ça qui fait que là-dessus, on revient. Et c'est en ce sens que je dis qu'Alger, pour moi, Alger, c'est une ville de fantômes. Et je dis Carthage, il y a des ruines à Carthage, mais il n'y a pas de fantômes. Mais c'est vrai que, parce que. Alors, pour avoir beaucoup échangé aussi avec des enfants qui sont plus âgés, moins âgés que moi, c'est vrai que souvent, nos parents nous promènent à Alger et c'est toujours évocateur de la mort. Je me rappelle la première fois qu'on m'a montré le Milk Bar, on m'a dit, voilà, c'est le Milk Bar. Ah oui, bah tiens, prends une glace. Mais tu sais, c'est là que la dame que tu as vue la dernière fois a mis une bombe et a machin. Et puis le casino de la corniche, tu sais, là, ça a été plastiqué. Et puis là, le cousin de la tante du machin, il a été assassiné ici. Après, ça a continué en 90. Quand j'ai occupé des bureaux, la première des choses qu'on m'a dit, on m'a dit, ah, c'est le bureau de Belaïch qui a été assassiné, juste en bas, là. Et ainsi de suite. Donc, on est complètement porté par ça. Et donc, à un moment, je me dis, quel impact? En fait, la vraie question, c'est de dire, quel est l'impact du lieu et de la géographie et de son histoire sur la personne que je suis? Voilà, c'est ça qui m'a fondamentalement intéressé, et qui est une question qui est vieille, qui a plus de 2000 ans, parce que c'est la question de Confucius. mais voilà, et l'idée, c'est de dire, moi je suis persuadé que voilà, on est forgé par le lieu qui nous a vu grandir. Bien sûr. On est un peu comme ce lieu, il y a une espèce d'osmose entre ce lieu et nous. Et c'est vrai qu'Alger, pour moi, c'est quelque chose d'incarné chez moi. Voilà, je l'incarne, je la personnifie et j'ai aucun mal à faire ça. Je suis peut-être dingue. Non, ça m'a dit. Pour ma part, ça m'a montré un Alger. Moi, j'ai vécu l'année de votre conception, si j'ose dire. 86-87, qui était une autre Alger. 86-87 66-67. Et donc, qui était Alger, bon, ben, c'était pour moi un havre de passage, parce que je restais là. Et j'ai reconnu quelques passages de votre livre qui reflètent comme ça cette espèce de. Presque de tendresse comme ça, et de cette ville qu'on aime. Mais moi, j'ai pas eu donc ces affres et j'ai pas eu ces plongées-là. Mais voilà, je voulais vous dire ça. C'est pour ça que je suis pas très fan des arrêts sur image de la ville, on peut appeler nostalgie, ou tout, que je respecte tout à fait, parce que la nostalgie, c'est un sentiment important chez l'être humain. Certains ont besoin de nostalgie parce que voilà, ça nous remplit, ça nous nourrit et tout. Mais c'est vrai que moi, cette ville, je la vois bouger en permanence. Ma ville, mon Alger, n'est pas l'Alger de quelqu'un qui a 20 ans. Voilà, et ce n'est pas l'Alger de mes parents, ce n'est pas l'Alger de mes
Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est cette espèce de mutation et de grouillement perpétuel. Alors certains voient cette vie de manière très figée. Je pense qu'elle est pas vivante, elle est morte. Moi, elle déborde pour moi de vitalité au point que ça me... Alors c'est vrai que des fois, quand il y a la brume comme ça, elle comate. Mais voilà, dès que ça commence à bouger, ça va dans tous les sens. C'est étourdissant. J'ai lu dans l'interview, je trouve que la formule est juste, Alger est une ville qui se mérite. On y mérite en marchant. C'est en marchant qu'on la mérite, il faut suer. C'est terrible pour un étranger, Alger. C'est très compliqué. Si un étranger n'a pas un guide qui lui tient la main et qui lui fait découvrir la ville, il passe complètement à côté. C'est une ville qui est... Oui, il faut la mériter. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui ont été profondément attachées à Alger ont décrit cette espèce de forme de rejet de la ville ou de refus, de non-acceptation. Ce qui nous fait souvent sourire, nous, les Algérois, parce qu'on nous dit « Attends un peu, tu vas voir. » Mais aussi, il y a des lieux introuvables qu'on cherche et on ne les trouve pas. On les trouve pas. Il y a une espèce de labyrinthe comme ça. Oui. Écoutez, si vous avez des questions, sinon je peux continuer à débattre. Mais... Moi, j'ai une vue un peu différente. Je pense que c'est l'amour à l'algérienne. C'est un peu l'amour dans la haine. Quand j'ai lu ce livre-là, c'est... Maintenant, je vois Alger différemment. Déjà, je l'ai écrit sur la page Facebook d'Alger d'écrit. J'ai dit, c'est un peu en anglais, mais voilà, j'ai dit grâce à ce livre. Parce que c'est vrai, quand on vit à Alger, des fois, on est un peu... On a un sentiment... J'ai l'impression que je la déteste, mais en fait, c'est je l'aime. J'aime Alger. Ça me manque quand je suis loin d'Alger, mais une fois que je suis à Alger, c'est... Voilà. Je me pose des questions, je me dis, voilà, regarde les gens et tout ça. Mais voilà, je me suis dit, voilà, c'est un Algérien. Parce qu'en fait, quand il parle de la Tunisie, c'était différent. On ne voyait pas la critique, parce que je pense qu'il ne peut pas se permettre, c'est pas un Tunisien. Mais sur Alger, non, ça va fort. Et il peut se permettre, c'est un Algérien. Et...